chaque haïtien qui fait un film, ça fait un plaisir. Ça montre que le mouvement que je dis, c'est moi qui ai commencé. Hein? Mouvement a continué et gain espoir pour y aller au-delà de ça. Il est vrai que journée aujourd'hui, nous avons un gros problème au niveau Haïti. Un problème que nous avons lutté en pile pour nous essayer de résoudre. Et c'est à faire ça, relé bootleg là. Sur toute la rue, devant la police, devant le parlement, devant le palais, où un nèg se tire back, il y a 20 bootleg. Donc depuis 2 ans, nous avons un gros mouvement à mener avec Haïti. Mais le mouvement a été fini pour un gros campé parce que nous sommes arrivés dans un stade que même l'État haïtien est tombé dans le bootleg, nous avons un jour aujourd'hui. Et c'est ainsi que la télévision nationale d'Haïti a pris un film Jean Gadi bien-aimé. Film l'autre réalisateur, il a passé sur la télévision nationale d'Haïti sans autorisation. Et je fais un pile de travail en Haïti. Je me suis arrivé à faire connaître que depuis 30 ans, je fais cinéma. C'est la première fois qu'un gouvernement qui violait le droit artiste haïtien autant que le gouvernement Matelia. Bon, peut-être comme réponse, le ministère de la Culture prend un film, nous, on a commencé à passer sur la place publique. Mais il y a un petit revirement qui fait, parce qu'en janvier, là, il n'y a révoqué ni directeur TNH, là, ni ministre de la Culture. Là. Donc, il y a un petit espoir. Donc, le bagage a continué. Et moi, je dis, jeune réalisateur, il y a l'espoir. Parce que le plus gros marché qui existait, je vous dis, pour le cinéma haïtien, c'est en Haïti lié, parce que c'est le seul petit côté sur tout le globe, ça, qu'on joigne 10 000 haïtiens. 10 millions haïtiens, excusez-moi.